1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4, m'appelez-vous, mon nom à suivre. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, il y a un gros problème qui gagne, qui affecte l'église évangélique, l'église locale, c'est qualité. Il y aurait les pasteurs qui dirigent les gens, qui mènent l'église. En pile scandale de tous côtés, et sous la terre, des hommes qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas en appel, qui ne pas en formation, qui ne pas en consécration, et puis qui rentrent dans le ministère pour mener les gens, et avec l'autre motivation, bon Dieu ne connaît pas, et puis ils ont créé scandale. Parce qu'en pile là-dedans, c'est des agents du diable. Et une fois tout, ils mettaient tout le monde dans le même panier. C'est depuis qu'il y aurait le pasteur, un pasteur voleur, volant et tout. Donc ça veut dire qu'ils mettaient tout le monde dans le même panier. Donc si le monde décide de mettre tout le monde dans le même panier, mais nous, chrétiens, il faut nous capables de faire différence. Et c'est ça que fait nous prendre temps pour nous dire que sa Bible a dit sur l'office pastoral. Laisse ça. Ou en mesure pour juger moi-même comme pasteur, pour regarder est-ce que je suis suivant le modèle biblique, est-ce que je suis qualifié d'après la parole de Dieu pour me diriger. Et ça, l'idée, on ne peut pas faire. Parce que vous connaissez si l'église là, connaît qui sont pasteurs, qui sont mon pasteur, vous connaissez pas qu'à arrêter pour diriger. Et les mettez information ça, dans l'homme, bonne éducation ça, hein, ou gagne responsabilité envers moi. Et moi-même, j'ai responsabilité envers vous pour me quimber tête moi comme ministre de l'Évangile. Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Pas gars sorti de là. C'est lui qui met l'Église là. D'ailleurs, il a fondé l'Église là, il dit, je bâtirai mon Église. Donc l'Église a fait part. C'est lui qui a bâti, mais l'Église a fait part. C'est l'Église de Dieu. Donc c'est vrai, Jésus physiquement pas présent, mais Jésus pas de remplaçant, même s'il n'est pas là physiquement. Donc Jésus pas de remplaçant, pas de monde qui a remplacé Jésus. Malgré l'église catholique fait impertinence pour dire que le peuple est le chef suprême de l'église. Donc aussi le peuple a remplacé Christ. Ça c'est une impertinence que lié parce que Jésus lui-même, il va mettre remplacé dans l'église. Li. Et au même aller pour au même dire comme ça, l'église là c'est sous Pierre que le bâti. Donc puisque le peuple est dans la lignée apostolique de Pierre, donc le peuple comme si l'église là c'est sous l'île reposée. Non! Les Pierre dit, les Jésus dit Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus utilisait deux mots grecs différents. Elle dit, tu es Pierre, c'est Petros qui veut dire un caillou, un petit roche. Mais elle dit, sur cette pierre je bâtirai mon église, cette pierre c'est Petra, un nom féminin qui veut dire rocher, qui veut dire roc. Donc Jésus dit, il bâtit l'église à sous roc là, et pas sous pierre. Parce que même apôtre Pierre, dans acte 4, Libral dit, Jésus est la pierre, rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Même apôtre Pierre, d'accord, pour le dire, c'est sous Christ l'église a bâti. Et c'est ça que fait, là Jésus fait une déclaration, hein, il dit, les portes du séjour des morts, pape qui a crampé contre l'église. Ça fait depuis l'église locale, c'est sous Christ qui bâti, n'est que mettre sauter pomper, l'église n'a pas qu'à chavirer. L'église christlie. Si Jésus n'est pas remplaçant, Jésus continue de diriger l'église là à travers cet esprit. Et comment il fait ça? Il choisit des hommes pour diriger l'église là, pour prendre gouvernement à l'église là. Dans Jean 15, verset 16, il dit, petit apôtre, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Donc c'est bon Dieu qui choisit les gens pour mener l'église là. Dans acte 20, verset 28, et Paul a parlé aux anciens de l'église d'Éphèse. Et puis, il a encouragé, il a parlé avec eux. Et parce qu'il connaît que il y a un danger qui est venu devant, puisqu'il a séparé avec eux. Et puis, tendez, apôtre Paul,
qui a parlé avec leader Sayo, il dit dans Acte 20, verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et pas moun qui mette moun pasteur, c'est pour Dieu qui mette moun pasteur. Donc, bon Dieu dit, et Paul dit, monsieur, frère, fais attention à tête pas nous d'abord. Et fais attention à troupeau ça, que bon Dieu lui établit nous. Sur ça fait, l'idée qui a dirigé l'église, c'est Christ qui vous établit. Parce que depuis Christ pas établi, il n'y a que l'argent chaviré. Depuis Christ pas établi, il n'y a qu'à faire politique à chaviré. Depuis Christ pas établi, il n'y a que relation à chaviré. Depuis Christ pas établi, nous n'y a que diable dans la tête à chaviré. Depuis Christ pas établi, Jézabel dans l'église à chaviré. Et ça fait, c'est Christ qui vous établit. Amen. Important, alors, c'est leader. Le Christ qui pourrait établir. Dans Jean 21, verset 15 à 17, et Jésus rencontré avec Pierre après, et Pierre, Jésus finit ressuscité, et Pierre finit renier Christ trois fois. Et puis Jésus dit Pierre, Pierre, même si, est-ce qu'on remet? Il dit, Seigneur, qu'on aime, oui, je remet. Et puis il dit, Père, mes brebis, prends soin de mon tombio. Il dit, Pierre, même si. Et puis il dit, Pierre, répond, il dit, oui, Seigneur, qu'on aime, remet. Et puis Jésus dit, lui, Père, mes agneaux. En troisième fois, Jésus dit, Pierre, est-ce qu'on remet? Et ça, Pierre vient triste parce que, pour que ça, Jésus a posé la question, est-ce qu'il remet? Et puis il dit, prends soin, mon ton mieux. Mais brebis. Pour que ça? Parce que Pierre a été renié Christ trois fois. Et même fois que Jésus retirait ta ça sous Pierre, à trois reprises, il posait la question. Hein. Et nous disons que, il y a une différence dans chaque mot qu'il utilisait. Donc Jésus a dit, Pierre, est-ce qu'on remet avec l'amour qui est prêt à sacrifice? Pierre dit, non, son affection seulement, mon Dieu. Dans la sincérité de Pierre, Jésus bat le mandat pour prendre soin de tout pour eux. Et remarquez, il dit, mes brebis, mes agneaux. Donc, brebis, c'est ça qui est en racine et ça qui est en certaine maturité. Les agneaux, ce sont les nouveaux convertis, les bébés de la foi. Et remarquez que le premier critère que Jésus utilisait, c'est l'amour. Est-ce qu'on remet? Et ça fait, moun qui dirige l'église, premier bagage, il faut remet, bon Dieu. À tout cœur, toute force, tout amour, et c'est ça qui a fait être campé. Alors, remet Christ, et sous base ça, Pierre, répond à une question. Mes frères et sœurs, nous avons commencé tout ça dimanche passé, trois dimanches de cela. Pour qui ça, bon Dieu, lit nos brebis? Il dit, paie mes brebis, paie le troupeau de Dieu, un troupeau de brebis. Pour qui ça, c'est comparaison, ça, image, ça, métaphore, ça? Pour qui ça, c'est ça, Christ utilisé? Pour le comparer mon pasteur avec un berger et comparer mon église chrétienne, mon membre de l'église avec brebis. Pour qui ça? Nous te fait déjà, je vais me reprendre. Peut-être, ou même qui n'est pas bien Cécile, ou même qui n'est pas là, pour comprendre ça. Et parce que brebis a plusieurs égards. Comportement lui, semblé à comportement chrétien. Premièrement, nous te dit, bon Dieu crée toute bête. Avec un instinct de direction, un sens de direction. Ça veut dire que tout bête qui existait, bon Dieu, a une capacité, même s'il y a loin, il a perdu la route, il a une capacité pour retourner côté de sortir. Ou capable de brancher, ou aller bien loin, mettre la gueule longue. Et puis, même si c'est après combien de jours, on peut le pointer la caille. Parce qu'il a un instinct, un sens de direction pour jouer une route s'il perdu. Mais, brebis, il n'a pas gagné ça. Brebis n'est pas capable de jouer une route pour contre lui. Si brebis a, là, c'est pas tirage lui. Et puis, il arrive, et puis devant là, il n'est pas capable de retourner. Même s'il est tout près côté de l'été, depuis qu'il n'est pas habitué avec l'environnement, depuis qu'il est sur mon côté berger, habitué, passé avec elle plusieurs fois, il n'est pas capable de jouer une route lui. Et ça fait dans Luc 15, la Bible, là, Jésus, par rapport à brebis perdu, il dit brebis a perdu. Parce que depuis que brebis a perdu, il n'y a pas qu'à retourner pour contre lui. C'est berger hein, qui est obligé à le chercher parce qu'il n'y a pas qu'à retourner. Deuxièmement, nous disons que brebis n'a pas qu'à jouer manger pour contre lui. Donc brebis n'a pas qu'à chercher manger pour contre lui. C'est berger hein, qui pour mener le pâturage pour le manger. Toute l'autre bête qui a cherché manger, mais brebis n'a pas qu'à chercher manger. Et si Boéché a pas mal mangé, il a mouru. Et en plus, il n'y a pas qu'à faire différence entre plantes qui sont toxiques, ça veut dire que ce n'est pas bon pour lui. Ou quand je ne cabrite, il a mangé zèbre,
Ça n'est pas bon pour lui, elle a mangé feuille. Ça n'est pas bon pour lui, elle n'a pas mangé. Même si elle n'a pas fait la différence. Même si feuille a du poison, elle a mangé, elle a mouru. Brebis n'a pas de capacité pour aller chercher de l'eau pour qu'on parle. Même si de l'eau a tout pour elle, il n'est pas capable. Et toute l'autre bête, depuis qu'on soif de l'eau, il y a un instinct qui vous mène au côté de l'eau. Exactement. Mais brebis n'a pas capable. Elle a besoin du berger pour aller, pour mener boire de l'eau. Et dans boire de l'eau, il n'y a pas boire de l'eau côté de l'eau, côté de l'eau stagnante. Ou de l'eau qui a dormi, ou de l'eau sale. Il n'y a pas boire de l'eau là. Brebis n'a pas boire ou de l'eau qui est trop chaud. Bébé n'a pas qu'à boire ou de l'eau qui est trop frette. Il n'a pas qu'à boire ou de l'eau qui descend avec vitesse. Il faut de l'eau à couler posée. Et ça fait dans son menu, il dit, côté de l'eau à couler posée, c'est là qu'il mène boire. Parce que depuis de l'eau à couler avec vitesse, il n'a pas qu'à boire, il peur. Donc c'est berger qui pour mener le boire de l'eau, c'est berger qui pour mener le manger, et c'est berger qui pour identifier côté pâturage là, il est pour lui. Nous disons brebis, c'est une bête qui est plus sale qui existe. Pour qui ça? Parce que toute l'autre bête a une capacité pour nettoyer la tête. Chien a bliché col, si vous avez sous lit, le remède qui a viré la tête, pour retirer un bagage sous yo. Mais brebis n'a pas une capacité ça. Depuis le passé, nous fatra, fatra tout collé sous lit. Depuis le passé, nous rager, rager tout collé sous lit. Quand elle dormit, tout était sous pôle. Il n'est pas capable de nettoyer la tête. Il n'est pas capable de virer la tête pour le retirer un bagage sous lit. Je l'ai comme ça l'a prêté. Et plus poil a grandi, et puis et bête ou bien fatra, poussière, saleté, rentré sous l'île. Et brebis a, au moment qu'a privé, saleté a microbe la cachouelle. Parce que lui-même, il n'y a pas qu'à nettoyer tête lui. Et pour brebis a nettoyer, il a besoin de berger qui pour venir, pour retirer, pour tourner, pour retirer poil qui sale. Pour brebis a pas mourir. Brebis n'a pas qu'à clean tête li pour contre lui. Tout bête, il y a un instinct de préservation. Il fait haïtien de tout bête gêné mordé. Ça veut dire que depuis bête là dans une situation difficile, il réagit, il défend tête li. Mais brebis n'a pas qu'à défendre tête li. Il n'a pas rien pour défendre tête li. Et brebis a tellement son bête qui est garé, même s'il est danger, il a marché sous danger. Depuis le danger à courir, mais lui-même depuis le danger à lui porter tête qui va être danger. Pour brebis à pas mourir, berger a obligé à veiller. Même si brebis a un trou, même si l'on ravine, la porter lui. C'est berger pour veiller, c'est berger pour couvrir, c'est berger pour protéger. Frères et sœurs, sans le berger, brebis a lui sans secours. Sans le berger, brebis est vulnérable. Et c'est ça que fait les Jésus à garder par Israël là. Dans Matthieu 9, verset 36, il dit comme ça, qu'elle fait le mal. Il fut ému de compassion pour qui ça? Parce qu'il a gardé le peuple là, sous le monde, sous le désert. Il a gardé le peuple là, t'as un bon mouton qui sent berger. Quand tu es frères et sœurs, il y a un brebis qui sent berger. C'est un brebis qui est en danger. Deuxième frère et soeur, il y a l'église qui n'a pas un berger, qui n'a pas un pasteur. C'est une église qui est en danger. Il y a un brebis sans berger. C'est un brebis qui est vulnérable. Il y a l'église qui n'a pas un pasteur, qui n'a pas un berger. C'est une église qui est vulnérable. Vire avec moi 1 Samuel 17. Mal moutron bagaille. Allez rapide. 1 Samuel. Chapitre 17. Nous avons mon lit la veille. Samuel 17. Nous avons lu verset 32 au verset 35. Samuel 17, verset 32 à 35. Ensemble, sous jeunes, il y en a 3, 4. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule.
S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Qu'est-ce que ça veut expliquer là? David comme berger, l'Elgal Goumak Goliath, il n'est pas capable. David dit oui, je suis capable, parce que je suis berger, je vais garder les brebis, puisque les brebis sont sans défense. Les loups attaquent, les lions attaquent, les bêtes sauvages attaquent, je suis crampé en face. Mon péché au manger brebio. Et si t'as un malheur, je t'ai mis mes mains sous une brebio. Je rentre sous bête là, je retire brebio à nos figures. Et puis je m'attaque. T'es de ça, David dit. Premier bagaille, bête sauvage l'a fait, l'attaque brebio. Quand il y a l'air attaqué brebio, David répond, David campé en face bête sauvage là. Quand il y a l'air bête sauvage là, ouais, il n'y a pas dévoré brebio, ça le fait, il attaque berger. Il attaque David. C'est berger qu'on y a le prend position en face louyo qu'on y a c'est normal pour louyo c'est moins pour attaquer faut me préserver les brebis du Seigneur comme mon qui dit amen à parole ça bon Dieu en tant que l'église locale yo dirigé par un berger. Vous dirigez pour un monde que le choisit, vous monde que le former, un monde que le préparer, vous monde que l'auctionner pour diriger l'église locale là. Et me tout depuis on l'église pas bon berger qui dirige, on l'église qui en crise. Capable bon monde dans tête lui, il bon berger. Il y a un monde qui peut petit pasteur, mais bon berger. Et dans Bible là, il y a trois mots grecs dans le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, et trois mots ça sont interchangeables, ça veut dire que ou ca remplacer une par l'autre même si on pas le même sens. Il n'y a pas synonyme. Premier mot, c'est épiscopos. C'est à partir de mot ça. Alors, mot ça est composé de deux mots. Épi, qui signifie sur, et puis scopos, qui signifie voir. C'est à partir de mot ça, je viens de scoop, ou je viens de télescope, épiscopos, pour capable de voir de loin. Eh bien, il veut dire veiller sur. C'est un monde qui a veillé sur un bagage. Donc, moun sa, ou capable de traduire épiscopos là par surveillant. Et c'est ça pour Pierre a dit. Il dit, c'est pour nous prendre précaution à l'église que bon Dieu mettait sous notre garde. Ça veut dire en bas supervision nous. Donc, moi ça, il décrit la direction et la supervision spirituelle que pasteur a doit bailler à l'église là. Ma propre. Mon épiscopos là, il traduit l'idée de la direction spirituelle et la supervision spirituelle que pasteur a doit bailler à l'église là. Donc, un pasteur dans l'église, il doit superviser l'église là, dans toutes dimensions. Service, différents départements, groupes, activités qu'a fait dans l'église là, les familles de l'église, c'est rôle pasteur pour le diriger l'église là, parce que ça a impliqué leadership. Et diriger veut dire que l'impulse son vision à l'église là et l'accompagner l'église là dans la mission. Le pasteur il est là pour gérer les affaires administratives de l'église, pour conduire l'église dans toutes dimensions. Les problèmes spirituels, les problèmes, les crises de l'église locale, les crises existentielles des membres de l'église. Le pasteur est là pour manager les crises financières, les finances de l'église. Parce qu'elle doit accompagner Mounsayo et accompagner l'église là vers sa destinée. Parce que nous qui là, nous pas là par hasard. Parce que bon, nous tous c'est haïtiens. Mais qu'on raison que ça bon Dieu mette nous ensemble là. Qu'on puisse, qu'on objectif qui fait nous là, nous croisons ensemble. Nous pas sortir dans le même quartier, nous pas sortir dans la même ville, nous pas sortir dans la même famille, nous pas sortir dans la même zone. Mais bon Dieu d'accord pour mettre nous ensemble là. Et pas sans raison non, bon Dieu a une raison pour ça, il a une vision pour ça, il a un projet pour nous. Et bien, parce que il est responsable pour accompagner nous, mener nous dans le plan et dans le projet que bon Dieu a pour nous, comme l'église, comme corps. Le pasteur accompagne l'église vers sa destinée. Regardez-vous avec moi dans Hébreux chapitre 13. Ça le dit. Hébreux 13, verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence, du respect, de l'affection, car ils veillent sur vos âmes, dont ils doivent vous rendre compte. Et sa Bible a dit, il dit, pasteur, veillez sur l'amour
Et non seulement la veille sous nom, mais il y a pour le rendre compte pour nom. Bah, il grave. Et Bible a dit qui ça t'a servi un nom pour posséder le monde entier pour perdre le nom. Ça veut dire pour mon Dieu, nom non c'est bagage qui a plus valeur. Et qu'on y a bon Dieu décidé pour le prendre moi-même pour le dire comme ça, il est pas responsable pour me veiller sous nom dans l'église là. Et ça pirate là, il dit l'enfant va me veiller sous nom, l'a demandé me compte. Est-ce qu'on peut jouer avec bagage ça? Et c'est pas quitter monde faire ça au vle. Et c'est pas quitter l'église j'en vle. Et c'est pas quitter monde qu'on fonctionne n'importe dans l'église parce qu'ils sont responsabilité que me gagner. Et pas nuit ma nuit, c'est pas merde la pas merde aux gens monde comprendre. L'on joue au fâche au mauvais, son responsabilité mon Dieu même. Pour pas là et puis aller l'enfer, pour pas là pour non mon petit. M'a pas joué avec ça. Et parce que ça fait m'a pas 300 millions pour m'a exhorter. Et ça fait m'a pas manger l'argent pour me persécuter. Son responsabilité, c'est la bonne. Pour me veiller sous nom. Je te dis veiller sous bagage et puis, bon, quelque chose, je vais aller, je vais pas douer. Mais on dit, l'offre une veille, il y a brûlé pour rendre compte. Ça veut dire que sous shot, faut dire comment on fait shot. Si quelqu'un nomme là il dit shot, faut c'est pas sous compte moi. Faut me pas responsable comme pas qu'à venir sous chez ma boire blague. Fait qu'on content et quelque soit monde quelque soit gens là vous y passer mon sous tête tout et puis ça problème moi fonctionner. On pas qu'à faire. Parce que me gagne une responsabilité. Pour me veiller pour mon supervision spirituelle. Sous nom l'église là. Et ça fait leader qui avait comité écodiaque, il y a la moitié qui fait travail ça. Leader de groupe, il y a la moitié qui fait travail ça. De supervision ça. Parce que nous responsables devant mon Dieu, nous savons mon Dieu, pas nous. Fait. Ça c'est l'évêque. Ouais, épiscopat, ça c'est moi ça traduit par évêque. Ou bien en anglais, bishop. Mais malheureusement, il y a un bon monde qui fait les titres. Il y a été bishop. Bishop là c'est mon titre lié, son responsabilité. Je ne sais pas traduire par bishop ou bien par évêque, je sais pas surveillant. Ou son surveillant. Regardez ce titre là qui intéresse. Je ne sais pas qui est derrière le concept là, qui est derrière moi. Ce titre est bishop. Oh bishop, comment il y a tous ces bishops. Et on va venir soigner. Il y a tous les bishops, mais on va venir soigner. Personne m'a intéressé. Si mon yon met à gagner, ça va intéresser. Si mon yon met à perdre, ça va intéresser. Mon a vivre mal, ça va intéresser. Mais au bishop. Évêque là, bishop là, son responsabilité liée. Supervision. Le deuxième mot que la Bible a utilisé, c'est presbytéros, qui traduit par ancien. Dans un Pierre, quand nous sommes pour vous, Pierre dit, moi ancien comme eux. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Mon presbytère, cela c'est à partir de moi ça, où je le mot presbytère. Eh bien, moi ça, il traduit pas ancien dans la Bible, mais il suggère l'idée de l'autorité et de responsabilité, pasteur a dû gagner. Parce que la Bible a relé pasteur à évêque. Episcopos. Lire les pasteurs à tout, presbytéros, ancien. Pour qui ça? Parce que pasteur a gagné autorité et responsabilité pour construire l'église là. Là où il dit ancien, il ne fait pas référence à mon qui est grand monde dans l'église là. À mon qui l'a plus longtemps dans l'église. Il n'est pas ça ancien. Dit. Ancien, il fait référence à mon que mon Dieu choisit pour diriger l'église là. Le berger de l'église. Donc dans l'église ici là, moi c'est ancien. Même si chargé mon qui grand passé. Mais c'est moins qu'ancien hein, d'après la parole de Dieu. Et pour qui ça, il y aurait les anciens, hein? C'est parce que moi ça, il fait référence à un monde qui a maturité spirituelle pour accompagner l'autre monde. Et ça fait la Bible a dit, dans la qualité la baille pour ancien, il dit qu'il ne faut pas un nouveau converti. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir il faut une racine, il faut une âme. Parce qu'il y a quelques épreuves, quelques persécutions, quelques combats qui viennent sous lui. S'il n'est pas solide, la fou.
Mais qui est-ce que dans l'église même, diable mettez là, oui, pour saccager pasteur, pour pasteur à courir. Quel bagage mon fils vient de l'église, il y a ton pour démissionner. Quel monde qui vient de l'église le dimanche matin, c'est garder la garder sous, on finit toujours. Si on pas répondre, on ne pas maturité, on pas de race, on pas de consécration, on va courir. Et ça va être bon Dieu parler, n'importe où de monde. Et puis il dit, fort mon ça, il y a maturité spirituelle, et sagesse spirituelle pour exercer autorité ça, et responsabilité que mon Dieu m'a dit. Les anciens sont des hommes mûrs. Il dit, mon qui mature spirituellement. Tu as expérimenté dans trois domaines. Tu as expérimenté dans la vie. Fais des expériences dans la vie. Un pasteur, mon Dieu, pas qu'à prendre un monde de parachute comme pasteur. C'est un monde qui doit faire expérience, qui a des bagages dans la vie pour le connaître. Et ça fait le former. Ça fait tout le monde, mon Dieu, il est voyé dans l'université. L'université, elle est l'université du désert. Il est voyé dans l'école du désert. Après Moïse, Moïse fait 40 ans dans le désert là. Le bon Dieu a formé. Jésus fait 40 jours et 40 minutes dans le désert là. Tous serviteurs, mon Dieu, Jean-Baptiste passe dans le désert là. Et chaque monde que mon Dieu, il est formé, il est chant préparé depuis dans l'essence où pour nous lever, pour éducation, pour forme de traitement, mon Dieu, bah, ou quand ouais, les bon Dieu choisir ou même comme berger pour venir diriger l'église, ou quand ouais, on a 10 frères, on a 10 soeurs, et puis qu'on y a, qu'on chant, maman, papa, traiter, mais ou même, ou qu'on traitement spécial, ou même, ou qu'on chant, pour gérer, parce que bon Dieu, lui-même, qu'on plan dans la vie, il pas qu'à quitter n'importe qui, gens, il pas qu'à quitter la vie, passer n'importe qui, l'obligé bon discipline, l'obligé font route à faire, l'obligé mener aux gens, parce qu'on on va le diriger. Et ça fait me dire, même si pasteur a élevé nos familles riches, une famille qui a l'argent, une famille a fait bon, bon Dieu pour étiqueter tout le monde sur vous, pour le mettre au côté, pour qu'on ait grand goût, pour qu'on ait difficulté dans la vie. Pour qui ça? Parce que quelqu'un l'a pas dirigé. Capitaine tout pasteur un grand goût, pour comprendre ça, ça veut dire grand goût. Parce que quelqu'un qui va comprendre ça, ça veut dire grand goût. L'homme de l'église, il grand goût, les vivre dans les billets. Non, le jeune fille vient contour pour le grand goût, pour être tout chaud. Il faut dégager pour que nous bagaille pour le manger, pour le bal, faire tété. Faut qu'on ça. Faut qu'on ait pour pas exploiter. Parce que mon tout, les leaders, depuis qu'on fait une côté avec une faiblesse, l'exploiter mon nom. Non. Ça fait bon Dieu obligé de former, obligé de préparer. Et les expériences qu'on fait dans la vie. Nous avons deux mondes, bon Dieu, mais trop à côté. Nous avons un ancien personnage qui dans la vie qui fait expérience. Et puis on partage l'expérience avec eux. Bon Dieu mettait plusieurs mondes sur tout pour former, pour préparer, pour éduquer, pour ministère ça. Et même si vous paraît jeune, et mon abdi, mon cher monsieur jeune, vous voyez, sont grand monde. Dis amen. C'est ça. Parce que vous avez une responsabilité. Non seulement ça, il faut une expérience de la vie chrétienne. Elle dit, parce que la première bagarre, il faut le convertir. Malheureusement, chaque jeune qui a dirigé l'église, qui n'est pas converti. Première bagarre là, il faut convertir, il faut naître de nouveau. Il faut une régénération faite dans la vie. Il faut son monde neuf, un monde qui prépare, un monde qui forme spirituellement. Lorsqu'il est converti, il faut baptiser. Il y a un pasteur qui a dit l'église qui peut baptiser. Il faut baptiser. Lorsqu'il est converti, ou baptiser et pour grandir spirituellement. Il y a un pasteur qui est converti jeudi, demain, s'il veut le pasteur. Il n'y a pas de moniteur à l'école du dimanche. Comment on fait pasteur? Il faut une éducation, il faut être moniteur, il faut grandir. Et il me dit, nous, nous témoignons à jouer. L'homme fini, il est converti, il est baptisé et puis il y a un grandi. Il y a une responsabilité des enfants. L'homme fini, il est passé dans l'adolescent, il est passé dans la jeunesse. Il est responsable classe pour vous convertir. Je suis responsable classe baptême, m'a grandi, je suis responsable la jeunesse, comme président de la jeunesse. Quand ça m'a grandi, l'église a gardé moi, je suis prédicateur de l'église, je voyais me prêcher dehors, je suis prédicateur régional, je suis prédicateur national, je suis prédicateur international, tout côté m'a prêché. Donc l'église là a gardé moi, je voyais ma formation, moi je suis allé dans le séminaire, formé tête pour le ministère. Après ça, l'église a ordonné mon pasteur. Parce que c'est une expérience pour gagner, c'est une gens pour gagner, une formation pour gagner. Pas la seule formation pour vous diriger moi. Il faut gagner toute formation. Et pasteur, et ça fait l'OAL dans l'école biblique là, l'OAL dans le séminaire là, il y a toute qualité de formation. Même comment vous mangez, parce qu'on ne va pas pasteur, on va l'on fait là, et puis vous pas. Quelle formation pour gagner? Comment vous parlez? Tout le monde ça fait cours de communication, cours de sociologie, cours de philosophie. Pour tout le monde, ça fait former pour diriger le monde. Mais d'abord, vous voyez là. C'est bon Dieu qui pourrait le faire un appel, faut une consécration. Donc, il faut un engagement avec l'église. Parce que ça qui passe grand pile et pasteur, et engagement, c'est pour le court terme. Vas-y, yo là, son bagage à chercher. Couleur genou avantage, y aller. Il dirige là, couleur genou visa, ou l'autre l'église réelle, t'as pas rompu pour avantage, y aller. Mais non, le pasteur doit engager avec l'église là.
Quel que soit Jean Saïe, nous campons nous là ensemble. Nous avons une bonne histoire, un pasteur, pasteur Valentin, on croise, il dit, ah bah, quoi faire là? Il dit, ah, l'église a crasé. Le 12 janvier, il se dit, comment l'église a crasé là? Tout le monde est mort? Non. Temple a crasé, l'église a crasé. Non, frère et soeur. C'est temple a crasé, l'église n'a pas crasé. Après tout le monde était là, berger a doué là pour camper. Nous sommes en Haïti, c'est un pire d'embargo. Un bon pasteur prend madame, nos petits filles. Y allez, nous quittons l'église à derrière. Pas berger. Berger a fait là. Non, mais tout peuple là pour camper avec le peuple là. Pour souffrir avec le peuple là, pour accompagner le peuple là. C'est ça, un berger. Yo doué wo. Et troisième terme, non, c'est Proiménès, qui signifie berger ou bien pasteur. Il souligne la responsabilité du pasteur de nourrir les brebis. Et ça fait, la Bible la présente des qualités pour pasteur. Il présente la même qualité avec Diakio. Mais grande différence, il dit il faut qu'il soit apte à l'enseignement. Il faut être capable d'enseigner. Il faut être capable d'enseigner. Et ça fait, il présente les dons de leadership. Il dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Il y a associé ministère docteur avec pasteur. Parce que pasteur, il faut être capable d'enseigner l'église là. Faut pas que tu es capable de former l'église là. Parce que c'est responsabilité. Elle dit percer le troupeau de Dieu. Ou là pour perdre le troupeau, ça veut dire pour nourrir le troupeau, pour prendre soin du troupeau. Donc première responsabilité pasteur a gagné, c'est pas responsabilité administrative. Première responsabilité pasteur, c'est pour nourrir l'église là dans la parole. Donc ou pas qu'un pasteur pour pas prêcher. Parce que un pasteur prêche chaque premier dimanche. N'importe quel prédicateur qui vient, il met dans l'église. Il n'y a pas besoin de connaître quand elle sort. Il n'y a pas besoin de connaître qui doit là-bas. Mais maintenant. Ou bien pour frère l'église, il met à faire étude. Il n'y a pas de temps pour ça lui-même. Non. Parce que la première responsabilité que gagner, c'est pour nourrir le peuple. C'est pour enseigner la parole. C'est pour prêcher la parole. Et ceci, chaque dimanche. Chaque semaine. Pour là. Pour prêcher la parole. Pour nourrir l'assemblée. Donc, première responsabilité, pas me présenter envers vous, c'est enseigner vous, c'est prêcher la parole. Et ça fait, berger n'est pas là pour faire brebis à plaisir. Berger n'est pas là pour nourrir brebis. Berger n'est pas là pour chatouiller les oreilles brebis. Non, c'est ce que dit belle parole. Parce que, les formations, on est capable de chercher tout le mot français, tout le bel mot, et puis boire des belles discours. Parce que bon, je parle l'aime pour me boire de belles discours. Bon, je parle l'aime pour me faire philosophie à voir. Bon, je parle l'aime pour m'enseigner la parole. Son choix me fait. On me dit ça, la Bible l'a dit. Parce que c'est ça, moi, bon Dieu, m'a demandé pour berger. Bon, berger n'est pas là pour le dire, brebis, ça, brebis, t'as rien, attendez. Berger là pour le dire, brebis, ça, bon Dieu, v'le, brebis, attendez. C'est là qu'ils ont compris ça, m'a dit là. Parce que peut-être que les bagages ont été remettés, que les messages ont été remettés, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous entendre, ça, bon Dieu, voulait entendre. Et pour me camper, même j'avais le prophète dans ce testament, pour me dire, ainsi parle l'Éternel. Et l'homme vient prêcher pour me dire, car la bouche de l'Éternel a parlé, c'est responsabilité par moi. Et si je ne fais pas ça, je vais échouer. Béché a une bonnette qui pue. C'est tout avec agneau, nouveau converti. Mais tout, Béché a besoin de mener l'église à une nourriture solide. Parce que malheureusement, je dis, l'église locale, c'est un peu gros sucré. Je suis les timons qui ont grandi, et particulièrement, les timons, nous-mêmes, les timons, comme ça, les timons, même si on fait manger pour les bagages qui ont des vitamines pour lui. Je suis longtemps, les m'a grandi tout petit, même si ils mangent la caille là, c'est fritaille, c'est fritaille. Moi, je suis les bagages, fridodoy, je ne sais pas ça. Fridodoy, timon, c'est fridodoy, c'est sucré, il a besoin, c'est friandise, il a besoin. Ou pas qu'à nourrir un timon avec fridodoy, ou pas qu'à nourrir un timon avec sucrerie, ou pas qu'à nourrir un timon avec friandise. Timon a besoin de bon manger pour grandir, banane, il a besoin de salade, il a besoin de maïs moulé, il a besoin de toute qualité bon manger bouillon pour timon ça grandit, il a besoin de viande, il a besoin de ce, il a besoin de bon pour grandir parce que souvent si le noy si mon nom ils vont côté la flègue avec la poitrine connomé et ça fait jodi a un pasteur pas qu'à amuser pour la prêcher délivrance si mon nom va le marier ou va le bénir ou va le travailler ou va le voyager ça c'est fruit de noy femme prêcher l'évangile solide. L'évangile pour pouvoir crier, l'évangile pour entrer dans le sentiment, l'évangile pour pouvoir rayer péché, l'évangile pour pouvoir aimer mon Dieu. C'est vraiment ça.
Même si vous pompez, vous sautez, nous avons longtemps, les mouvements sont blessés, nous mettons à quoi la donne, ah, ils nous pompent, ils sautent. Il y a des gens qui poussent son alcool, ils pompent, ils sautent. Ça va déranger, non? Parce que moi, je m'entends pour guérir, malade, je vais faire infection, je vais gâter dans mes nous. Des choses qu'on savait, des choses l'évangile, maintenant, moi, de l'eau sucrée, non, toute la journée de délivrance. Et puis, menti, oui, une fois. Parce que tu as seulement délivré. Lig marié, lig des petites, lig à l'ouvrage voyager, lig des visa, lig des cailles, lig des machines, tout à fait la marché. Ou toujours là, 8 ans, 10 ans, 30 ans. Ah, ou à béni, ou à délivré, ou à pas. Jusqu'à ce qu'on mourra ou à l'homme délivré. C'est lig délivré avec famille. Parce que l'argent offre de nommer, l'argent dit nommer, il n'est pas capable de délivrer. Toute la journée, il n'a pas le délivrance. Toute la journée, il faut venir la prière, non? On l'a pour prier, on l'a pour chercher le travail. Il faut l'évangile avec équilibre là-dedans. Ouais, Haïti, Haïti, pas besoin de sortir là, non? Si on s'arrête. L'église, pour beaucoup, oui, dans la pauvreté pays. Là. L'église, 40 jours jeûne, toute la journée jeûne. Et puis, ça, puis, là, ils sont malhonnêtes. Ils ont fait jeûne, non? Ils ont pauvreté quand même. Bon, le monde qui vit dans le jeûne, c'est le monde qui va travailler. Dès que le monde est dans le jeûne, c'est le monde qui va travailler. Ou bien, on a un jour de travail. Mais sauf qu'on jeûne, 7 sur 7, chaque jour de semaine non congène. Et pour vous, c'est ça. 7 sur 7 000 l'église a pour demander l'offrande encore. Quand tu fais tes lots, vous ragez. Moi, le passé, ça, nous ne sommes pas capables avec vous. Parce que l'église, l'évangile, il faut un équilibre. Responsabilité pastoral, c'est enseigner la parole. Tenez, sa Bible a dit dans 2 Timothée 3, 16, verset 17. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile qui ça pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour capable accompli d'une maturité, pour capable faire tout ça qui peut faire bon Dieu plaisir, c'est enseigner pour enseigner la parole. Faut pas la corriger, faut l'instruire, faut l'enseigner, faut pas la mettre sur mon chemin. C'est là qu'ils avaient là matin. Dans 1 Timothée 4, dans 1 Timothée chapitre 4, m'a pris pour, mais après ça, m'a donné un texte, m'a demandé pour lire ensemble avec. 1 Timothée 4, m'a pris verset 13 à 16. Et puis après ça, nous allons lire 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Ou après 2 Timothée, moi, m'a pris 1 Timothée 4 là, pour moi. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Avec mon pasteur, il faut parler là, pasteur Timothée. Il dit, pasteur Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Il dit, prends le temps pour lire. Mon pasteur paraît ce qui a marché flâné toute la journée. Faut que tu faut qu'on livre dans mon faut lire faut bibou dans mon faut lire applique-toi à la lecture il dit à l'exhortation à l'encouragement à l'enseignement c'est à faut l'enseigner à l'église là il dit ne néglige pas le don qui est en toi qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens de pas négliger l'ordination il dit occupe-toi de ces choses ouais occupe-toi donne-toi tout entier à elle ça ces choses bah tu es tout net n'enseigner par là afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire pour nous, même tout comme pasteur, il faut y avoir fait progrès. Il ne faut pas arrêter les mêmes gens. Et puis il dit ça, il dit pasteur encore verset 16, il dit veille sur toi-même. Je ne sais pas là. Veille sur tes tout d'abord. Veille sur tes tout. Et puis après ça, il dit veille sur ton enseignement. Et puis il dit persévère dans ces choses. Parce qu'on ne peut pas penser un bagage pour faire l'autre bagage. Il dit persévère. Il dit retenez dans le bagage ça. Il dit en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu vas sauver tes tout. Et tu te sauves, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Là, il doit sauver mon capitaine. Pour les bagages, ou même moi sauver tête, il y a un pasteur qui va l'enfer. Comment l'a fait sauver mon? Non. Il faut y avoir une ligne. Et puis pour nous, il faut confiance pour suivre. On a dans 2 Timothée chapitre 4. Ça, c'est un danger que l'apôtre Paul a souligné avec responsabilité bergère. Ça le dit. Je t'en conjure ensemble. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Ouais, écoutez, sous qui ça pour la mettre Timothée là? C'est son serment pour la mettre Timothée là. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, qui ça vous fait? Prêche! Aïe, aïe, aïe! Prêche la parole! C'est responsabilité, pasteur! Prêche la parole! Et puis, ça le dit, continuez! Insiste en toute occasion que mon yon saute, que mon yon pompe, que mon yon mauvais. Insiste en toute occasion. Qui ça? Favorable ou non? Les même dans tellement, prêchez mon yon pour convertir. Même dans mariage, prêchez mon yon pour convertir.
En tout cas, qui ça dit, favorable ou non, il dit ça, reprend. Censurer, il dit censurer péché. Nèg qui tombe pour faire dégâts, mettez-en sous discipline. Mettez code dans la tête. Nèg qui a fait gagote dans l'église, barrez-en. Censurer, papa, pas quitter la liberté pour faire ça, vous voulez. Ça dit, exhorte, encouragez avec toute douceur et en instruisant, instruire. Parce que les bagages qu'on fait dans l'église, et parce qu'ils ne connaissent pas. C'est pour instruire, pour qu'on ça pour faire. Pour comment vous traiter diacre, pour traiter pasteur, et ça m'a fait là, oui, pour après ça, vous va gagner pour qui comportement dans l'église. Ça, c'est responsabilité. Priorité BGA, c'est nourrir troupeau avec la parole. Et ça fait, vous avez besoin de prier pour moi, pour cet esprit convaincre moi-même, pour le convaincre moi de péché. Elle dit, pendant que je prépare la parole, pendant que je prépare le message là, pour le message là pour moi en vent. Comment? Le message là change d'abord. Parce que le message qui va changer, je ne vais pas croire à changer l'autre monde. Il faut le changer d'abord. Faut le convaincre moi, prier pour me toujours connecter avec la parole, pour toujours connecter avec cet esprit, surtout prier pour moi pour me toujours que content. Prier pour me un discernement spirituel, pour me comprendre la parole là. Mais si je ne pas comprendre, je ne pas expliquer au lit. Pour me comprendre, pour me un discernement, pour me enseigner vérité, parole bon Dieu. N'a résumé pour nous finir. Terme ancien nous dit la parole d'un monde qui est maturité spirituelle. Mais thème ancien, il soulignait la dignité de la fonction pastorale, la dignité de l'office pastoral, la dignité du pasteur. Parce que nous avons deux bagailles là. Il y a le pasteur en lui-même, l'homme, qui sont donc que bon Dieu fait à l'église, il y a l'office pastoral. Elle dit, bon Dieu prend le pasteur, le mettez dans l'office là. Vous comprenez ce que je dis? Je dis, il y a l'office pastoral là, il y a le pasteur. Le monde, bon Dieu, il y a l'homme de Dieu, bon Dieu prend, il met dans l'office là. Ça veut dire qu'il y a deux personnes pour respecter, ou deux bagages pour respecter. Vous pour respecter le monde lui-même, que bon Dieu, il y a, et vous pour respecter l'office pastoral. Mais, le problème qui est, il faut que le monde respecte la tête. Parce que le bon pasteur ne respecte pas la tête, qui fait que le monde a manqué au dégât. Donc, le pasteur a besoin de respecter la tête pour que le respecter. Et ça veut dire que le sorte pour mener pas moins bien. Pour me respecter, respecter mon Dieu, respecter tes points, respecter l'église, respecter les collaborateurs, pour tout le monde l'église, respecter. Et qu'on y a, si je fais respect ou pas décider de respecter, je force pour respecter. Amen, pour avoir dit amen, je prêche, pas de problème. Parce que respect, il dit, qui veut son respect, c'est le procure. Respect, il va cadeau, faut cadeau. Et parce qu'on respecte tes tout, on oblige de respecter. Ou pas, on a travaillé à un côté, même si boss là, l'a fait avec tout le monde, mais où? Qu'on nous doit. Il n'y a pas qu'à venir tout n'importe qui. Mais si pas tout le monde n'importe qui, j'en ai arrivé sous le bonjour pour le balai. Et pas parce que vous êtes 100 000 non, mais parce qu'on respecte tête. Il compte ça. Vous savez, vous connaissez nos cailles, vous comme qui peut dire, même si on demande tout le monde, il n'y a pas de monde. Vous dites ça parce qu'on fait respect tête. Parce que qu'on nous pas de manger ça pas vous. C'est ça. Et bien c'est ça. Ancien, hein, il doit être une dignité, il doit respecter tête. Qu'on y a un office là, qu'on y a, attendez bien, oui. Qu'on y a ça qui passe, grand nec. Qui déchu, les pasteurs qui déchu. Qu'on y a, les ont déchu, même si ils ont déchu, ils ont encore dans l'office pastoral là, ou besoin de respecter eux. Les ça, ou pas respecter eux, peut-être pas eux, parce qu'ils n'ont pas mérité respect. Mais on respecte l'office là, à faire. Fonction pasteur, rôle pasteur. Et ça va être des moments qui ont des gars, pendant qu'ils ont l'office pastoral là, m'a dit chouapin sous. Moi, pour exemple, dans la Bible là, David. Saül, bon Dieu, rejeté Saül. Bon Dieu, il n'a pas besoin de Saül. Il tellement qu'il a rejeté Saül, il remplace Saül par David. Il est en loin David. Saül tellement déraillé, Saül a gagné encore. Saül a fait magie. Bon Dieu, pas besoin de Saül. Bible a dit, bon Dieu, pas parler avec Saül, bon Dieu, pas besoin. Quand il y a David, j'ai une occasion pour le touiller Saül. Pour le mettre sous Saül. Les messieurs ont dit, tout finit avec elle. Mais c'est nous, tout finit avec elle. David dit, moi, mettez même sous. Où est mon Dieu? Et pas pour ça, non, David, ça. C'est pour l'office royal là. Il est le roi, il n'a pas la position. À cause que l'opposition, il a besoin de respecter la position l'occupée. Mais nous, haïtiens, nous avons un problème avec ça. Des bons monde, c'est président du pays, ou pas qu'à camper pour dire n'importe quoi. Il faut respecter l'office que l'occupée. Même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, même s'il n'est pas candidat, ou même s'il n'est pas dans le parti, ou même si vous n'êtes pas remis, ou pas qu'à dire n'importe quoi. Il y a un bon leader, un bon monde qui dit au pasteur, il est sans dignité. Parce que dignité, il faut gagner, parce que vous dites, tellement si on souligne dignité. Ou doit gagner dignité. Un pasteur qui doit marcher sale. Un pasteur qui doit marcher débraillé. Un pasteur qui doit entrer dans toutes sauces.
Ou pasteur pas dans zèle dans tripotaille. Ou pasteur pas faire vieille blague sale. Ou pasteur pas doit manger fidèle de n'importe côté. Excusez-moi, le pasteur cap manger des fidèles. Qui doit ou? Ou pasteur pas doit causer avec fidèle. Causer madame moun petite moun, ou pas faire ça. Ou sans dignité sous faire ça. Ou pas gagne respect. Pasteur a doit gagne dignité. Ou pas doit faire n'importe qui blague, dire n'importe qui bagaille, ou pas doit aller n'importe côté. Pasteur a doit gagne dignité. On pour qui ça? Parce que en pile fois, pasteur a le porter dignité pour ou. Gon tété pasteur a faire salou. C'est ça que vous comprenez ce matin là matin. Gon tété pasteur a faire salou même qui l'église là. Vous savez pasteur obligé. Digne pour ça l'a faire. Deuxièmement, on dit le terme évêque, il souligne leadership pasteur. Il est le principal leader de l'église et il a un droit de regard sur tout ce qui se fait à l'église. Et le terme berger, il décrit le travail que berger a, il doit faire dans l'église là. 1 Pierre, chapitre 5. On va faire quelques petites considérations rapides pour finir avec Patissa. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, ouais. Qui sont parmi vous. Moi, ancien quand même. Il dit, anciens qui sont parmi vous. Après ça, il dit, verset 2, pensez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Ouais. Il dit, c'est pour diriger moun sa yo, brebis sa yo, qui en bas autorité, qui en bas supervision. Tendez-moi, ça très important l'église. Qui est sous votre garde. Berger a besoin d'identifier qui brebis qui sous compte lui. Pour qui ça? C'est parce que bon Dieu va demander le compte pour brebis qui sous compte lui. Et ça fait dans l'église là, sous marché l'église, et même l'église glorieuse, ou besoin de comporter aux gens pour reconnaître moi comme berger et moi-même pour me reconnaître tout comme brebis. Parce que bon Dieu va demander le compte pour sous ces brebis, il faut me connaître. Parce que l'église n'a pas qu'à faire une bonne décision. Et pour même l'église, pour faire l'autre bagaille. Laisse-moi pas dans le pâturage là. Ou pas brebis nous. Il faut nous connaître comme c'est brebis nous. Parce que nous avons une responsabilité envers nous. Donc chaque pasteur a besoin de ce qui fait des lits. Et on l'église pas qu'à fonctionner, c'est pas qu'on liste de membres. Il faut qu'on registre pour tout le monde. Pour pasteur, il est capable d'aller dans le registre. Pour le pasteur, parler avec nous, connaître nous, saluer nous. Parce qu'on peut le rendre compte. La Bible a dit, travail, berger, il faut le faire volontairement. Ça veut dire, c'est pas forcé pour forcer. Le pasteur, c'est relé pour relé. Oh, le service, je dis, pour le pasteur, ouais, chaque dimanche matin. Il vient dimanche là, le prêcher, ou bien il assiste ce service là, et puis après, il pour encore. Juste dimanche. Il va dans l'étude, il va dans le service prière, il va dans la consécration, il va dans rien. C'est les gros bagages spécial où est l'église là. Il est donc étranger pour l'église. Mon pasteur, pas comme ça. Parce qu'il faut impliquer, et pas forcer à forcer. Ouais, mon pasteur, je dis, que c'est nous, la papa vini. Ah, on oublié. C'est pas possible. La Bible a dit. Parce que le pasteur, il n'a pas fait étude, il n'a pas prié à un, bon, même si n'importe qui vient de dire, je fais un tel, le frère tel qui est dans la prière, et vous-même, ça fait. Le pasteur n'a pas jamais été pour prier à un, n'importe qui vient de dire, il va jouer un tel, il va jouer un Jacques tel, on fait Jean-Baptiste, c'est homme de prière, ah, je fais Jean-Baptiste. Mais où ça fait? Eh bien, ça l'a fait là, il va pas capable, ça fait là. Parce qu'en plus, fois, on est un bon pasteur, c'est des chômeurs paresseux qui ont fait sortir au-dessus de monde. Ça doit suspendre. Gain sordide, il dit, il ne doit pas faire ministère pour gain sordide. Ça veut dire, pour faire l'argent mal, ou pas faire ministère pour faire l'argent. Serviteur bon Dieu, pas mettre prix sous ministère pour dire tel quoi pour moi. Je dis, je ne vais pas faire des prix, un prédicateur, un prédicateur, pour inviter, il tout met combien quoi pour aller. Un machin de l'évangile. Qui a vendu l'évangile. On ne passe pas comme ça. Ou pas qu'à faire prix. Vous comprenez? Les gens viennent là, ils viennent prêcher, ils font quoi ça là? Les gens sentent ces là, et pas bon pour eux, et puis ils viennent à envelopper, ils distribuer. Ils nous cobbent, et les salariés, ils nous ont passé même jamais. Ils ont cassé les bras à l'église là. Ils ont fait l'argent, et puis ils ont aller séparer l'argent. Bon, si l'argent mal séparé, ils ne peuvent pas éviter l'encore. Ça, vous devez finir. Vous ne pouvez pas comme ça. Parce que Gesson dit là, il dit que faire l'argent dans mauvaises conditions. Parce que il y a des leaders, ça le fait. Ils font des projets. Ils disent, bon, oh, nous allons acheter une terre. Et puis tout le monde d'accord pour acheter terre et l'argent. Et puis après, parce que par exemple, de côté, a fait terre à passer. Pour ça, comme là, tout rentré, parce que l'achat une nouvelle machine. Tout le monde dit, oh, belle machine, parce que l'argent est là. Après, bon, ok, les 10 ans là, nous avons tel projet pour nous faire, il faut nous bâtir l'école pour Timounio, parce que Timounio a besoin de l'école, pas de problème. Tout le monde compte parce qu'il faut qu'on l'école. Et puis tout le monde met l'argent pour l'école la construire. Après ça, pas que j'aime rien côté l'école à faire, côté professeur, côté tableau, pas de rien. Et puis après ça, parce que tu as battu le château.
Et puis, nous sommes tellement naïfs, nous n'avons pas de problème. Et c'est les chrétiens, nous ne pouvons pas donner. Non! La Bible a dit que le pasteur doit faire travail pour qu'il y ait sordide. Et puis, il y a de bassesse pour le pasteur doit faire. Non, il y a un petit pour faire comme. Non, chercher les amis. Parce qu'il y a une église qui le fait. Il y a des gens qui ont des petits moyens et puis l'entrée en bas avant les amis. Vous comprenez? Les gens qui ont des petits pasteurs ont des jeunes. Mais on même si malheureux, si malheureux, là, on ne peut pas jouer un pasteur. Parce qu'il n'y a pas de temps pour vous. Qu'ils ne soient pas offrés, on ne peut pas balancer. Mais les gens, c'est Septon. On ne peut pas faire comme ça. Et ça fait, parce qu'il y a doué correct, n'est quitté l'argent, depuis le mal comporté, la bamba sanction, et puis malheureuse là, tout depuis le mal comporté, la bamba sanction. Tout le monde même genre. Amen. Frères et sœurs, la Bible a dit, parce qu'il y a doué un modèle, en étant les modèles du troupeau. Et Paul dit, Timothée, sois un modèle pour les fidèles, un modèle. Je dis à quelqu'un qui dit, ah, c'est samedi nous faire, oui, mais pas suivre, non. Ou pas, pasteur. C'est pour faire ça, me dit faire, mais c'est pour faire ce que je fais. Et ça, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis le Christ. Frères et sœurs, les bergers font travail bien. Là, je n'ai pas de déception. Je n'ai pas d'humiliation. Je n'ai pas d'incompréhension. Parce que les gens là, c'est après 5 ans, c'est après 10 ans, la bonne valeur. Mais 10 ans, ça, c'est trahir ma passe en balle. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que je fais pour lui. Donc, on passe de bon Dieu relé, souvent de courage pour supporter mon l'église. Ah! Ou à railler mon, ou à railler ministère. Surtout, sous les capacités pour faire l'autre bagaille. Il y a des gens qui m'ont encore des gars, ils tuent, ils mal comportés en fer, ils ont des mauvais gestes, ils ont des vieilles paroles, ils ne parlent pas avec les virés, ils ont des gens, ils tuent, ils ont 5 heures. Tout berger, tout le monde bon Dieu relé. Il y a l'eau ça pour vous porter. C'est vrai qu'il y a quelques membres de l'église qui comprennent la nécessité pour encourager, supporter berger. Mais en pile, dans la majorité des membres de l'église ne comprennent pas le travail de mon pasteur. Surtout, l'homme mercenaire, l'homme veut faire à fort droite, l'homme veut faire à l'église pour faire ça ou vous. Ah, joue-moi pour un barouche, Pédestin. Il faut que courage. Et ça m'a dit en connaissance de cause. Mais quand on remet dans le texte là, il dit comme ça, récompense pasteur, il n'est pas ici-bas. Verset 4 dit, il dit, quand le souverain berger paraîtra, il dit, moun qui mette là, moun qui place là, il dit, l'aile va retourner. Il va paraître la bonne et la couronne de gloire, la couronne incorruptible de la gloire. Mais ça va mon courage. Malgré déception, malgré de l'onanché, malgré persécution, malgré que ça ne m'a pas mérité, mais je connais récompense-moi, pas ici-bas. Malheureusement, il y a un bon pasteur qui a cherché récompense sur la terre. Il y a besoin de gros cailles, il y a besoin de vivre confortable, il y a besoin de tout à fait au marché. Les bons dieux, ils ne sont pas derrière ça. Si vous venez, dites gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Il n'y a pas priorité ça. Vous venez là pour faire bon Dieu plaisir. Et c'est ça. Amen. Amen. Mon Dieu bénit.